qu'est-ce qui vous amène ici sur le ring d'Arcana? Jean-Louis, tout simplement. Donc, il est passionné de football et moi, je n'y connais pas grand-chose aux chevaux. Mais quand on discute... Non, là il dit des bêtises. Mais quand on discute avec Jean-Louis de chevaux, ben, ça paraît beaucoup plus simple. Alors que pour moi, ça m'a toujours paru compliqué. Depuis combien de temps, si ce n'est pas indiscret, vous connaissez? Oh, ça fait plus de 15 ans. Et vous venez des fois sur les hippodromes également? Bon, très, très rarement. Mais je regarde à la télé. Mais par contre... Jean-Louis m'invite assez souvent et quand je peux répondre à son invitation, j'y vais volontiers. Est-ce que Jean-Louis est assez influent pour que vous preniez un jour où vous avez déjà pris une part d'un de ses chevaux à lui? Non, il est assez influent, mais pas pour ça, parce que là je me sens complètement perdu et incapable de bien réfléchir. Non, je me sens incompétent. Est-ce qu'il sait qu'Antoine Griezmann est un excellent propriétaire? Oui, bon. Et il est parti très fort. Hein. Je crois que tout le monde le sait. Non, c'est vrai, il a des chevaux depuis un an et il gagne. C'est extraordinaire, Antoine Griezmann, il a le feu. Ouais. Ah ouais, Tony Bush, très bon cheval. Il y a des périodes où tout rigole. Mais dans le football, ce qui n'est pas le cas de Griezmann, nous avons des bourrins aussi. Hein. Ah, très bien. Merci, coach. Merci. Ce sera le mot de la fin. Une excellente conclusion. Dans le football, on a des bourrins aussi.